Ça, c'est le troisième groupe de la gamme. Ah non, qu'est-ce que tout seul. Le troisième groupe, il y a le terme, il y a les Staffy, il y a les Parson, il y a les Jack Crystal, il y a les Fox, il y a les Yorkshire, il y a Denton. L'Américain, Staffordshire, février. Le Jack Crystal, le Fox, terrier. Point dur, il existe aussi le Travis, le même que Chef de Jacques, un Yorkshire Terrier, parmi lesquels le premier est choisi, je rappelle ce que c'est le standard point dur. Le point de démarre non plus est retenu pour le 7e groupe. Un Golden Retriever est retenu pour le 8e groupe. Le Shetland Espagnol et le Cocker Américain. Vous pouvez applaudir tous les hommes qui vont éviter la sortie de l'un de vos difficultés pour ne pas croiser les chiens du bras. Merci. Ils ont bien débuté leur carrière puisqu'ils ont obtenu aujourd'hui le qualificatif très prometteur. Dans la catégorie public, il y a trois possibilités très prometteurs, prometteurs, assez prometteurs. Tous ceux qui sont sur le ring ont obtenu très prometteurs. Je vais vous demander de faire un tour de ring. On met les mains à l'épanouissement de son monde. Alors, on va mettre les bras. Voilà, à partir du Lagoto, le Golden, le Black Luna, le Berger de Brie, le Père du Rennes, le Mixi, le Berger Australien aussi, le Berger de la Suisse. Voilà. Et le Coquin américain qui marche assez vite, se mettra derrière ses bras. Vous pouvez analyser aussi le Golden, le Lagoto, le Coquin. Il était bien que l'on se représente un chien aux allures. On ne fait pas couper un chien de grand détail que un chien de petite taille. Merci. On va rejeter pour les grands. Et c'est au tour des petits de faire un tour.